Aujourd'hui, votre bilan, c'est votre boulet. Depuis 2 ans, vous avez imposé à la population des sacrifices insupportables. Vous n'avez cessé de piocher dans la poche des gens pour combler vos trous. Tout cela pour un bilan économique négatif. Et vos chiffres sur l'emploi sont bidons, et vous le savez, monsieur le Premier ministre. À ce très mauvais bilan s'ajoute, on le sait, un échec dans la gestion des finances publiques. Non seulement vous appauvrissez la population, mais en plus, vous lui laissez une facture que vous lui demanderez de payer une deuxième fois. Avec vous, c'est très clair, la population paye toujours 2 fois. Car, et je vous le dis, chers collègues, derrière les comptes publics, il y a le portefeuille de nos concitoyens. Et c'est pour ça que votre politique budgétaire est totalement inacceptable. Vous gérez mal, mais ce n'est pas grave, ce sont les autres qui payent. Voilà la réalité de votre gouvernement. Dans n'importe quelle entreprise, on vous demanderait de rendre votre tablier. Alors le minimum, monsieur le Premier ministre, c'est d'entendre ce que les gens ont à vous dire. Ils en ont assez de votre politique. Il est grand temps que vous puissiez les entendre. Merci, monsieur Laouèche.